Au Sénégal, plusieurs associations chrétiennes ont décidé de tendre la main aux musulmans. En cette période de Ramadan, tous ne peuvent pas rentrer à l'heure pour rompre le jeûne. C'est pour cela qu'à Dakar, des jeunes ont décidé de distribuer des dattes, de l'eau et des sandwichs aux passants. Partager un repas, ne serait-ce pour nos frères, les musulmans et les chrétiens, et aussi lancer un message. C'est vrai, nous sommes de foi, nous sommes de croyances différentes, mais surtout, il faut que chacun puisse respecter la foi d'autrui. Une initiative commencée l'année dernière, mais pour cette édition, les fêtes de Carême et du Ramadan coïncident. Je peux dire que c'est la plus belle chose que je puisse faire, car étant issu d'une famille islamo-chrétienne, c'est une joie. Ouais, c'est une grande joie. Je suis très heureuse d'être là avec les chrétiens, avec les musulmans. C'est juste Dieu qui nous unit et c'est nos cœurs qui sont devenus un aujourd'hui. Au Sénégal, près de 96% de la population est musulmane et la majorité d'entre elles suit des enseignements soufis. Le pays est souvent présenté comme l'un des États où chrétiens et musulmans cohabitent en paix, et dans lequel il n'est pas rare de voir différentes religions au sein d'une même famille.